Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, plaisir. Joyeux anniversaire. Gâteau qui symbolise ses 46 ans. 46 ans. Il a voulu cacher le mystère. Voilà. À présent, c'est maître. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir encore une fois de plus. Bonsoir. Je suis très ravi. Nous avons ici ce soir. Alors, si maître du plaisir me demande de présenter le grand maître. Ça, c'est son père. C'est son père. Voilà. Maître Clément est le père de Monsieur Duplessis. Alors, pour ne pas trop tirer, quand je dis Maître Clément est le père de Maître Duplessis, et il y a Maître Ississima, qui est son grand-père. Alors, c'est comme ça que je l'ai globalement. Là, c'est le fils, le père et le grand-père. Malgré que le grand-père n'est pas là. Malgré que le grand-père n'est pas là. Alors, comme Maître Duplessis, vous présentez tantôt, moi, je suis très contente de vous voir ici ce soir. Et que, par une grande surprise, Maître Duplessis, Maître Grand-Maître Clément, est encore dans ce quartier ce soir. Waouh! Je vous remercie infiniment. C'est important d'avoir une purité de cœur. Beaucoup de personnes, Clémentine, moi et votre, tout le monde qui connaît Maître Clément, tout le monde a prié. Tout le monde a prié pour Maître Clément. Tout le monde a prié. Parce que croyez-moi, Maître Clément a beaucoup de côtés négatifs. Et comme vous le voyez comme ça là. Maître Clément, comme vous le voyez comme ça, tu peux passer toute ta vie avec lui, tu ne sais pas qui se fait. Mais un jour, à cause d'une petite chose, il faut pouvoir dire merci à Dieu. Parce que aujourd'hui, ce que je suis en train de dire là, je suis en train de dire ça parce que la petite était mort dans un accident. Avec Maître Clément, j'ai compris que ce qu'il. Il ne suffit pas de suivre ce qu'il te dit. Regarde comment il vit. Quand tu regardes comment il vit, tu comprends. Si tu veux imiter sa vie, tu es un homme tranquille. Bon, mais je pense que si tu continues à parler comme ça, mais ça permet quand même que. Bon, mais à la suite de Maître Duplessis, je ne voulais pas évoquer ça. Parce que, en fait, je suis obligé. Je suis obligé de dire quelque chose. Bon, je pense que c'est une expérience. Oui, bon, c'est une expérience qui peut vous arriver. J'essaie de. Ah bon? J'étais à la maison. D'accord, voilà. Ah, il était à la maison. En réalité, j'ai ma façon de voir la vie. Et c'est selon cette expérience-là que j'essaie de partager avec les autres, même dans les salles. Parce que j'essaie de démontrer aux gens de faire attention quand tu es en danger. En toquant ta maison, ta chaise, ta voiture, ça va te venir en aide. C'est ton voisin, c'est l'autre. L'être humain comme toi de l'autre côté. Il faudrait qu'on valorise l'autre. Et ne soyons pas sélectifs. Ne privilégie tel. Tu vas avoir la malchance que c'est celui-là que tu ne prévenis pas, que tu croises. Et là, on peut rester ici jusqu'à minuit, je vous raconter des anecdotes. Tu peux dire que tu peux attendre X. Tu dis, comme je vous aide la vous, par exemple, je suis avec vous, on est amis. C'est vous que je vais croiser dans ma vie. Je suis en Djombé, Manga, je ne sais pas quelque part. Et j'ai le malheur, je fais comment? Si je croise ceux que je maîtrise et vous que je privilégie, on fait comment? Donc moi, je pense qu'on devrait vivre d'amour, de pardon et de partage. Et moi, j'exhorte, je prie les gens dans la famille. À un moment donné, de prendre cela en exemple. Moi, je pense, hein, la Bible se résume en cela. Amour, pardon et partage. Tu vas passer ta vie à égrener le chapelet, prier des heures durant, nom de Jésus, tout ça, machin. C'est dans tes actes qu'on va voir si à la forme. Si donc tu sors là comme ça, je suis, ça c'est ma voisine, on ne se parle pas, je quitte, je m'en vais dimanche à l'église, je parle quatre temps, ça ne sert à rien. Et c'est même écrit avant d'entrer dans la maison. Il faut avoir fait la paix avec ton voisin.
quand passe le temps du jeûne, carême, etc., c'est le temps de faire le pas. Ne dis pas que non, elle avait tort, c'est elle qui fait le pas. Tu viens de t'empêcher toi-même de faire le pas pour amener à cette personne qui a la perdition à toi. Tu comprends un peu? L'exemple de la moto, je vais t'expliquer. J'ai pris la moto, j'allais dans mes plantations avec comme ça. En route, je suis percuté en troisième position. Donc, je suis entré dans l'agglomération de Manga. Donc, non loin de la sous-préfecture, plutôt à Manga, à côté de la sous-préfecture. Donc, je suis dans la ville même. Je cherchais comment garer pour aller charger mon téléphone. Une voiture vient en troisième position, ça me cogne et ça fuit. Donc, face à face, j'ai juste braqué comme ça, il a tapé derrière, j'ai fait une roulade et je me suis retourné pour voir s'il devait venir en aide. Le gars accéléré, il est plutôt parti, il dit bon, ok, je m'en remets à Dieu. J'ai fait ça. Et maintenant, je tire un pied, je vois c'est bon. Je tire l'autre, je vois que le doigt saute comme ça va de ce côté-ci là. À ce moment, il n'y a pas la douleur. Tu vois un peu, je regarde à gauche, à droite, je demande de l'aide. J'entraîne le pas. Mais les deux premières personnes qui viennent, c'est la moto qui soulève. Ça, c'est la moto, mon frère. C'est une belle moto, mon frère. Je dis, pardon, amenez-moi à l'hôpital, pardon. Alors, les deux autres qui viennent de moi, quand ils vont de pied, ils font ça. Ils ont la chair de poule. Tu vois un peu. Et moi, je commence à dire, personne, il n'y a personne. Pardon, je vous en prie, il n'y a personne. Je retourne comme ça là. Je vous dis cette anecdote. C'est un cousin par alliance qui sort du quartier, je ne sais pas combien de Manga, qui traverse le rail comme ça. Et en passant, il me dit, mais grand, tu fais quoi ici? Et c'est celui-là qui me transporte. Et qui m'amène en Banga. En Banga, le médecin dit que non, non, on ne peut pas. Je vous avertis d'abord, aller à Douala avec ça. On ne peut pas régler le pied. Parce qu'on va couper. Aller à Douala. Imaginez que je rentre de Douala, de Banga pour Douala. Voilà. Et j'arrive, le pont n'était pas encore ouvert comme ça avec les embouteillages. Voilà. Quand j'arrive donc au niveau de la gare routière, vous roulez un pas à l'autre. C'était compliqué. J'ai dû emprunter la moto avec ce cousin-là pour rentrer à la quintinée. Et là-dessus, on a fait ce qu'on a fait, etc. Mais ce que je vous dis, c'est d'où vient ce cousin-là. Il y a quelques temps, il y a 2 ans avant là, il a eu un malheur, comme ça, il est venu chez moi, je ne m'attendais pas, il m'a dit pardon, l'oreille de mon épouse, ça ne va pas. Je l'ai amené à l'hôpital avec cette épouse-là, tu vois un peu, il est venu me remercier après, tout s'est bien passé, etc. Tu vois, Dieu me l'a envoyé encore, tu vois un peu, ça pouvait ne pas être lui, mais qu'un autre, je vous en prie. Efforçons-nous à nous aimer, à nous pardonner et à vivre dans le partage. Bravo. Vraiment, parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Bravo. Mais, oui. Je vais vous retenir, je m'excuse, je vais vous retenir pour une petite minute. Ce que vous avez dit me touche tellement que je m'en voudrais de ne pas exprimer ouvertement mon émotion pour cela. Dans une autre vie, j'ai été enseignant de philosophie. Moi-même, je suis philosophe de formation. Et donc, j'ai quelque chose de particulièrement attachant pour des idées, pour des pensées des hommes. Vous avez dit une chose qui est fondamentale aujourd'hui, ça beaucoup de personnes ne le savent pas. Toute la religion, toute la morale politique se résume à une chose, le bien. Mais le bien lui-même se résume à une chose, c'est l'amour du prochain. Mais chaque fois qu'on a aimé le prochain, parce qu'il faut être fort mentalement pour ne pas rentrer dans les égoïsmes qui nous permettent de mépriser le prochain et de nous élever au-dessus de lui. Il faut être très fort mentalement. Et je vous dis, quand vous êtes fort mentalement, et ça c'est la preuve, parce que vous avez mis en pratique, quand vous êtes fort mentalement, vous vous entourez nécessairement de ce qu'on appelle généralement dans la métaphysique, les ondes positives. Donc, on peut penser que vous avez été dans une situation désespérée. En réalité, c'est la pratique au quotidien que vous faites. C'est les rapports au quotidien que vous avez avec vos semblables qui vous mettent dans des conditions telles qu'il ne peut absolument rien vous arriver en sorte que la providence ne vous accompagne dans une voie favorable. Ce n'est pas possible. Et je suis touché parce que on peut ne pas aller à des églises. Moi, je pense que c'est du folklore. La vraie foi consiste en ce que vous venez de dire, aimer simplement son prochain et travailler au maximum à ce qu'il sourit. Et éviter au maximum qu'il pleure à cause de vous. Moi, je pense que c'est là toute la philosophie de la vie. Dès que vous l'avez fait, vous vous êtes libéré et vous vous êtes mis dans des conditions telles que vous ne pouvez qu'avoir une vie heureuse. Et la vie heureuse, heureusement, vous l'avez dit, ce n'est pas les biens matériels, c'est l'état d'esprit. C'est extrêmement important. Donc, moi, je vous remercie beaucoup pour cela. Je vous remercie beaucoup pour cela. C'est Dieu qui a voulu que vous soyez la mère parce que désormais, il vous accompagne partout en raison de ce que vous faites. Et je suis très heureux que vous ayez porté une parole comme celle-là qui est au-dessus de la parole que même les papes
porte tous les jours au quotidien. Merci beaucoup. Merci. Amen. Amen. Qui est photographe ici là? Donc, il y a un photographe ici. Hein. C'est ça, pendant que les gens.